Jaya Ratha Mathava Punja Bihari Hare Krishna,
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Siddhartha Parameshwara Ki Jai. Shri Jagannatha Swami Pavitra Pavana Ki Jai. Shri Jagannatha Swami Pavitra Pavana Ki Jai. Srimati Subhadrateni Ki Jai. Jai Sitaram Krishna Hanuman Bhagavata Shakti Hare Ki Jai. Shri 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 Parvati, Brahma Sarasvati, Jai, Tulsi Maharani Bhakti, Jai, Gauramitai Shakti, Jai, Shri Guru Parampara, Jai, Shri Prabhupada Parvati, Jai, Guru Glory, Jai, Om Ajanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manavishnam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha
Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Rathe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacadesha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 30e chapitre, à partir de verset 31. Varam vrinimahe thapi natha tvam parata parat nayantas tvad viputinam konanta iti giyase. Traduction. Ô Seigneur bien-aimé, nous te prions de nous accorder cette bénédiction parce que tu es l'être suprême. Par-delà toute forme de transcendance et aussi parce que tes perfections sont infinies, d'où ton nom d'Ananda, d'Ananta. Nous reporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Les Prachetas n'avaient nullement besoin de demander une bénédiction au Seigneur suprême, car la simple présence du Seigneur comble les Bhaktas. Dhruva Maharaja, par exemple, se livra à de rudes austérités afin de voir le Seigneur suprême dans l'intention de recevoir de lui une bénédiction. Il voulait en effet obtenir le trône de son père, ou même une position plus élevée encore. Mais lorsqu'il fut en présence même du Seigneur, il oublia tout. Il dit alors, « Ô Seigneur, je n'ai aucun faveur à te demander. » Telle est la véritable position du Bhakta. Il ne souhaite qu'une chose, être en présence du Seigneur, soit en ce monde, soit dans l'autre, et s'absorber dans son service. Voilà le but ultime qu'il poursuit et la seule bénédiction qu'il souhaite obtenir. Le Seigneur pria les Prachetas de lui demander une bénédiction, mais ils se dirent, « Que pourrons-nous bien demander ? Le Seigneur est infini et ses grâces sont illimitées. » Il faut ici comprendre que si l'on doit demander quelques bénédictions, ce doit être une bénédiction infinie. Le mot « Tvat Parata » revêt une importance particulière dans ce verset, car Dieu, la personne suprême, est Paratar Parat, le mot para signifiant transcendant au-delà de cet univers matériel. Le rayonnement de Brahman impersonnel transcende le monde de la matière et il est appelé Parampadam. Aruhya Krishna Parampadam. On appelle Parampadam le fait de se fondre dans le rayonnement impersonnel du Seigneur.
Mais il existe une forme de transcendance supérieure qui consiste à jouir de la présence personnelle du Seigneur. La vérité absolue est d'abord réalisée en tant que le Brahman impersonnel, puis en tant que le Paramatma, et finalement en tant que Bhagavan. Ainsi, Bhagavan, l'être souverain, se trouve au-delà de la réalisation du Brahman et du Paramatma, Paratah Parat. À cet égard, Sri Jiva Goswami souligne que Paratah Parat signifie « mieux que le meilleur ». Le meilleur, c'est le monde spirituel, connu en tant que Brahman. Toutefois, le Seigneur souverain est dit être Para-Brahman. Paratah Parat signifie donc « supérieur à la réalisation du Brahman ». Comme l'expliqueront les versets qui suivent, les Prachetas envisagèrent de demander au Seigneur une bénédiction infinie. Les divertissements, attributs, formes et noms du Seigneur sont tous infinis. En effet, rien ne saurait limiter son nom, ses formes, ses divertissements, sa création et tout ce qui l'entoure. L'être vivant ne peut concevoir le caractère illimité de l'infini. Toutefois, ceux qui écoutent ce qui a trait au pouvoir illimité du Seigneur suprême sont réellement et directement reliés à l'infini. Cette compréhension de l'infini devient elle-même illimitée par le fait d'écouter et de glorifier ce qui a trait au Seigneur. Ce qui a trait au Seigneur. Merci. Les dix frères Prachet, ils continuent à glorifier Seigneur suprême. Et dans ces prières, ils disent quelque chose d'assez intéressant. Ils disent que ton apparition devant nous, par elle-même, c'est déjà une bénédiction. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Mais quand même, ils disent que nous avons un souhait quand même et on ne peut jamais refuser tes bénédictions. Des fois, les dévots un peu néophytes qui n'ont pas d'expérience dans la vie spirituelle pensent que la personne qui est déjà réalisée, qui a atteint un niveau de prema bhakti, il n'a plus besoin des miséricordes de Krishna, il n'a pas besoin de ses bénédictions. Ça, c'est une non-compréhension de la nature du Seigneur suprême. Nous pensons que le monde spirituel existe séparément du Seigneur suprême. Ce qui est une grave erreur. Souvent nous entendons que quand les dévots disent que le monde spirituel c'est un endroit où nous réalisons tous nos désirs, il suffit de vouloir quelque chose et cette chose est à toi comme tu veux, etc. Et on pense que voilà, donc nous n'avons pas besoin de bénédiction du Seigneur suprême ni de sa miséricorde parce que le monde spirituel a tout. Mais nous ne comprenons pas qu'en effet tout cela, en fait, le monde spirituel avec sa faculté de satisfaire les désirs de chacun, c'est la miséricorde du Seigneur suprême, c'est ses bénédictions. Et par exemple, même les arbres, quand Pavriksha, quand on va demander à un arbre quelque chose,
l'arbre à souhait, par exemple, vous vous approchez à un arbre de souhait et vous demandez des bourfis, par exemple, cet arbre ne va pas vous dire que non, je suis un pommier, je ne peux pas vous donner des bourfis. Il va donner des bourfis. Mais en effet, nous devons comprendre que cet arbre est devenu un arbre à souhait. Pourquoi ? Parce qu'il a une relation spéciale avec Shri Krishna. Et dans cette relation, Krishna donne en fait sa miséricorde à cet arbre et cet arbre à son tour partage cette miséricorde avec nous. Sachez que tout ce que nous obtenons à travers les dévots, c'est un partage. Soit c'est un partage de prasad, soit c'est un partage de connaissances, soit c'est un partage de kirtan ou Krishna katha, tout. Tout cela, c'est un partage. Et nous pouvons considérer qu'en fait, que le dévot partage la miséricorde reçue. Et les prachet, ils sentent qu'ils ne peuvent pas refuser la miséricorde de Krishna. Ils veulent absolument le recevoir pour partager avec les autres. Ça, c'est une attitude d'un dévot. Un dévot a cette attitude de toujours partager la miséricorde du Seigneur avec les autres. Et dans deux, trois versets suivants, il explique qu'est-ce qu'ils veulent qu'on partage. Et dans les versets précédents, si vous vous souvenez, ils ont dit que nous avons besoin de rien. Seule chose que nous voudrions, c'est que tu sois toujours content. Donc finalement, voir Seigneur content, c'est une miséricorde. Imaginez que vous êtes en association avec Krishna et Krishna est content. Vous le voyez toujours content. Ça, c'est une bénédiction. Ça, c'est une bénédiction. Voir Krishna content, c'est une bénédiction de Krishna. Et en effet, dans les versets suivants, il explique qu'en fait, cette miséricorde, ils veulent garder pour toujours. Et comme Srila Prabhupada explique dans ses teneurs reportées, en fait, les prachet, ils savent que la bénédiction a une nature éternelle. Ce n'est pas la peine de demander quelque chose qui est temporaire. Pour cette raison, un dévot toujours demande à Krishna quelque chose d'éternel. Qu'est-ce qu'il demande ? Service dévotionnel. Nous ne pouvons pas demander quelque chose mieux que la possibilité de servir Krishna. Des fois, on a parlé de ça il y a certain temps, nous pensons que nous pouvons demander Krishna l'argent pour le service dévotionnel, une maison pour service dévotionnel, une femme pour faire le service dévotionnel, etc. Et nous ne comprenons pas qu'en effet,
le service dévotionnel, le bhakti ou la dévotion ne dépend de rien. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas une femme, vous ne pouvez pas faire service dévotionnel. Si vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas faire service dévotionnel. Srimad Bhagavatam est rempli, est rempli des exemples des dévots qui ne possédaient rien du tout. Même ils n'avaient pas de santé. Ils n'avaient rien. Mais il servait Krishna jour et nuit. Il servait Krishna avec tellement de profondeur, avec tellement de désir servir, qu'en voyant ça, nous comprenons que le service dévotionnel, bhakti, ne dépend de rien. Alors, quoi demander à Krishna? Et nous voyons dans l'exemple du frère Pratchett, nous voyons un exemple extraordinaire qui demande juste la possibilité de faire service dévotionnel. Car le service dévotionnel, c'est le seul type d'activité d'un être vivant qui peut satisfaire Seigneur Suprême. Ne pensez pas qu'une grande donation va satisfaire Seigneur si vous comptez acheter Seigneur Suprême avec cet argent, ou si vous voulez montrer comment vous êtes humble, ou si vous voulez montrer comment vous êtes coopératif, etc., etc. Si vous ne faites pas pour que Seigneur Suprême soit content, mais vous faites pour un autre but, ce n'est pas l'exemple de dévotion, manifestation de dévotion, et cela veut dire que Seigneur ne sera pas content. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, celui qui m'offre avec l'amour et dévotion une fleur, de l'eau, un fruit ou une feuille, je vais l'accepter avec plaisir. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que accepter, ça veut dire être content. Donc, le Seigneur sera content si on offre avec amour et dévotion. Donc, la dévotion, c'est la seule chose que le Seigneur accepte. Tout le reste, ça ne lui intéresse pas, parce que tout le reste lui appartient. Par exemple, j'arrive chez vous et je vous offre votre chaise, ou je vous offre votre pantalon, ou je vous offre vos bananes que vous avez. Ça va faire aucun effet. Mais si vous apportez quelque chose qui ne m'appartient pas, avec amour et dévotion, vous me le donnez, je vais l'accepter. Donc, et Krishna accepte seulement ce qui est fait pour lui, ce qui est apporté pour lui faire plaisir. Ça, Krishna accepte. Et c'est ça, la seule chose. Donc, la vie spirituelle tourne autour de bhakti. Nous pensons que la vie spirituelle, c'est quelque chose qui peut être bhakti, qui peut être autre chose ou autre chose. Non. En fait, la vie spirituelle, vraiment la vie spirituelle, comme axe autour de quoi tous les autres pratiques spirituelles tournent, c'est le bhakti. Par exemple, une pratique spirituelle comme pratique impersonnaliste. Par exemple, les brahmavadis qui méditent sur le brahman impersonnel, etc. Donc, c'est une pratique spirituelle. C'est une pratique spirituelle, mais elle tourne toujours autour de l'axe qui est le bhakti. Pourquoi? Parce que
il y a toujours un élément de bhakti qui est présent. Par exemple, dans la pratique d'un gyani, il y a l'élément de l'idée que l'absolu est un seul. Un seul et il est supérieur à tout. C'est ce que les dévots pensent et qui pratiquent. Vous pouvez... Hein? Dévot, des Vaishnavas. Si on dit, mais pourquoi nous disons que ça, c'est cette pratique ou cet élément appartient aux Vaishnavas et pas aux impersonnalistes. Pourquoi ce n'est pas à eux? C'est, on peut la prouver. Pourquoi? Parce que quand il y a la réalisation, après la réalisation, chez les Brahmavadis, ou chez les impersonnalistes, cela disparaît. Cela disparaît parce que pendant la pratique, il y a cette adoration de Brahman impersonnel. Donc il y a Brahman impersonnel et il y a celui qui adore Brahman impersonnel, et qui vénère, qui médite sur lui. Okay? Donc ça, c'est une pratique comme ça. Mais quand la personne est réalisé, ça veut dire qu'il est parti, il est dans Brahman impersonnel, il ne médite plus sur Brahman impersonnel, et le Brahman impersonnel, comme Brahman impersonnel séparé de lui, il disparaît. Donc, mais un Vaishnava, quand il médite dans sa pratique, il médite sur Krishna, et après sa réalisation, même quand il est dans le rasa, en fait, il y a toujours cet objet d'amour et objet d'adoration qui reste, il ne disparaît pas. Pareil, par exemple, il y a des yogis, il y a des gyanis qui chantent Hare Krishna mantra pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir maîtriser ses sens, etc., etc. Mais une fois, quand il arrive à maîtriser les sens, il arrête de chanter Hare Krishna Mahamantra. Tandis que les dévots, les Vaishnavas, ils chantent, dès le début de leur pratique, ils chantent le Saint-Nom. Et après, quand ils ont la réalisation, ils continuent toujours à chanter. Pourquoi? C'est parce que c'est à eux. C'est leur propre... éléments, en fait, ce sont des éléments de bhakti, ce n'est pas les éléments des autres pratiques. Donc, mais bhakti elle-même, lui-même, bhakti est basé sur un autre axe, et cet axe est satisfaction du Seigneur suprême. Nous pouvons penser que la religion aussi satisfait Seigneur suprême. Nous ne pouvons pas nier ça. Pourquoi? Parce que Krishna lui-même, il a dit que c'est moi qui a établi sur ce monde la religion. C'est moi qui arrive et qui donne les principes de la religion. Et quelle est la religion? En fait, la religion dans son ensemble, si on décrit la religion dans son ensemble, c'est Varnashrama Dharma. C'est quatre Varna et quatre Ashrama. Et chaque membre de quatre Varna et chaque membre de quatre Ashrama, ils ont leur Svadharma. Ça veut dire leur devoir particulier. Hein? Brahmana a son Dharma, Kshatriya a son Dharma, etc. Sanyas a son Dharma, Brahmachari de sien. Donc, tout cela, c'est la religion. Okay? Dans certains sens, Krishna est content, au moins, que les gens suivent la religion donnée par lui-même.
dans certains sens, il est un peu content, on peut dire. Donc, il est un peu content, mais il n'est pas satisfait complètement. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il voit que dans ce genre de relation, la personne qui adore Krishna, il le fait pour sa propre satisfaction. En fait, un religieux, en général, fait ça pour sa propre satisfaction. Si vous vous souvenez, nous avons parlé plusieurs fois qu'il y a deux types de religieux. Il y a ceux qui ont peur de Dieu, et il y a ceux qui veulent être, en français, veulent être baga bayaznini et baga ugodni, qui sont qui veulent être comment on peut traduire ça baga ugodni. Attends, je vais regarder. Tac. Pio, oui, mais ça ne... Bon, on peut dire pio, mais ce n'est pas tout à fait ce mot. Donc, ils veulent que ça soit comme Seigneur veut. Donc, cette deuxième catégorie est encore plus élevée. Et en fait, c'est ceux qui ont plus de chances d'aller vers l'austérité et qui ont plus de chances d'aller vers le bhakti. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas du tout la chance. Comme par exemple, des fois, nous voyons les gens pieux qui n'arrivent pas chez le Seigneur. Il y a des années et des années qui passent, les dévots leur prêchent, etc. Ils sont très pieux, très sattviques. Mais ils ne s'adressent pas à une pratique spirituelle. Et nous rencontrons des gens très vicieux, qui font beaucoup de péchés, etc. Et du coup, eux, ils s'abandonnent à Krishna plus vite que les autres. Ce n'est pas une règle générale. Ce n'est pas une règle générale. Mais c'est un phénomène extraordinaire que nous observons et nous comprenons qu'en effet, Bhakti ne dépend ni de piété, ni de connaissances, ni des efforts, ni d'austérité, etc., etc. Donc, mais Bhakti dépend de désir d'avoir Bhakti. Et comme nous avons dit, ce désir d'avoir Bhakti, nous manifestons quand on rencontre un bhakta. Les 10 frères Placheta, ils ont rencontré un meilleur des Vaishnavas, ils ont rencontré Seigneur Shiva. Et si vous vous souvenez bien, les prières de Seigneur Shiva sont extraordinaires. Ils sont très spontanés, très personnels. Ce n'est pas comme ça que Seigneur Shiva répète les prières qu'il a entendues quelque part, etc. Nous voyons qu'en effet, les prières de Seigneur Shiva, c'est
le fruit de ses relations avec Shri Krishna. Et ici, nous voyons que Prachet, il garde le même style. Il garde le même style de prier, il garde le même style de glorifier Seigneur suprême. Et pour ça, moi, personnellement, je trouve que les prières de Prachet sont vraiment extraordinaires, très, très spontanées. Il n'y a pas de quelque chose, ah oui, c'est encore les prières. Souvent, les dévots, quand ils lisent les histoires dans Srimad Bhagavatam, et dès qu'il arrive au moment quand il y a les prières de quelqu'un, il avance vite pour que les prières finissent. Mais en réalité, ces prières sont importantes, très importantes. Pourquoi ? Parce que les prières de ce genre de Vaishnava, comme Seigneur Shiva, comme Narada Muni, ou les frères Prachet, leur prière est extraordinaire. Il nous apprend, en fait, comment nous pouvons rétablir notre relation avec Shri Krishna. Parce que, qu'est-ce que c'est une prière ? C'est une sorte de conversation. C'est une sorte de conversation. Des fois, c'est un dialogue. Des fois, c'est un monologue. Des fois, c'est une méditation. Mais en tout cas, c'est un contact avec Shri Krishna. Et plus ce contact est spontané, plus le dévot est sérieux, plus le dévot qui est bien instruit par son gourou essaye de laisser à côté son faux ego, ses désirs, ses motivations égoïstes, etc. Nous voyons que en fait ces prières nous construit, ces prières nous polit, nous rend plus subtils dans la compréhension de Bhakti, et bien sûr que nous remarquons que des fois, quand on est devant le Murti chez nous, on voit qu'en fait nos prières rappellent les prières des grands dévots, hein. C'est pas une copie, nous ne copions pas, mais en effet, nous sommes instruits par ces prières. Dans ce verset, Prachet dit que tu es plus haut que le transcendental. Donc, en fait, le mot transcendantal est appliqué pour plusieurs objets. Hein. Par exemple, Krishna est transcendantal, le monde spirituel est transcendantal. Mais dans notre tradition, le transcendantal, quand on utilise comme le mot propre, donc le transcendantal, c'est le brahman impersonnel. C'est pas la même chose. Par exemple, quand je dis le transcendantal, il s'agit de brahman impersonnel. Mais quand on dit un livre transcendantal ou une pratique transcendantale, on utilise comme un objectif, c'est la qualité adjectif. Hein. Quand on utilise comme un adjectif, en fait, c'est la qualité de cet objet. Tandis que le transcendantal, c'est le brahman impersonnel. Okay? Et ils disent qu'en effet, tu es plus haut que le transcendantal. Ça veut dire que tu es plus haut que le brahman impersonnel. comment ils peuvent constater ça? Parce que durant leur méditation qui durait 10 000 ans, en fait, ils ont eu la possibilité de comparer les pour et contre,
ils ont pu bien analyser les prières et les instructions de Seigneur Shiva pour voir que, en effet, le Brahman impersonnel fait partie de Seigneur suprême. Fait partie de Seigneur suprême. Et, et si, si on bénéficie quelque chose de Brahman impersonnel, c'est un seul produit. C'est Brahmananda. C'est un seul produit. Il n'y a pas d'autre chose. Tandis que les bénédictions de Sri Krishna est très variée. Très, très variée. Vous avez tellement d'ananda différents. C'est comme, bon, je donne un exemple un peu théâtral, mais plus théâtral, on peut dire comme ça. C'est que comme, par exemple, vous avez dans un magasin qui vend que les chaussures pour les hommes, c'est tout. Ça veut dire, seule chose que vous pouvez y acheter, c'est des chaussures pour les hommes, c'est tout. Tandis que quand vous allez à Auchan, Super U ou Leclerc, des énormes hypermarchés, là vous pouvez trouver tout, et les chaussures, et les chaussettes, et les conserves, et de l'huile, et des fruits, des légumes, tout. Okay? Donc, c'est pour ça qu'ils disent que si un Brahman impersonnel rentre ou fait partie de Seigneur suprême, donc automatiquement Seigneur suprême, Sri Krishna, il est plus haut. Plus haut, il faut bien comprendre que c'est pas comme ça que si Krishna est plus haut, Brahman impersonnel est plus bas et mauvais. Non. Parce que n'oublions pas que Brahman impersonnel, y compris la félicité que Brahman impersonnel nous apporte, fait un des aspects de Krishna. Et quand nous rentrons en contact avec Sri Krishna, quand on devient un pur dévot et on rentre en contact avec Sri Krishna, on établit notre rasa avec Sri Krishna, nous bénéficions toujours de Brahmananda. Ne pensez pas que Srimati Radharani, quand elle parle avec Krishna, ou Mère Yashodananda Maharaj, ou Matu Mangala, quand ils sont en train de parler, ou je ne sais pas, s'associer avec Krishna, donc ils ne bénéficient pas Brahmananda. Si, ils bénéficient. Donc, mais Brahmananda tout seul, ne rentre pas dans leur objectif. Imaginez que vous avez l'eau. Juste l'eau, bon, c'est bien, c'est très bon goût, etc. Mais après avoir coupé votre soif, l'eau ne fait plus plaisir. Hein? Vous n'avez jamais remarqué, vous avez bu, donc la soif est coupée, et après on ne peut plus boire. Même le goût d'eau devient désagréable. Et pourtant, tout à l'heure, on buvait avec... Mais après, le goût de l'eau devient désagréable. Mais après, on prend, je ne sais pas, une grappe de raisin et on commence à manger le raisin. Waouh ! Mais là, l'eau est présente dans le raisin. Okay? Si vous supprimez l'eau du raisin, ce sera un autre produit. Il va pas avoir cette saveur, etc. Donc, l'eau est présente dedans. Après, je ne sais pas, vous mangez du yaourt, l'eau est présente dedans. Donc, donc sachez que dans la relation de rasa, Brahman impersonnel est présent toujours. N'importe quel rasika bhakta,
il bénéficie de Brahmananda. Mais Brahmananda est comme un porteur d'autres choses, hein, comme un porteur, un accompagnement. Il accompagne certaines choses, hein, il accompagne certaines bhavas. D'accord? Donc, mais dans notre pratique spirituelle, nous devons comprendre ça et ne pas penser alors. Est-ce que je suis privé de Brahman impersonnel si je deviens un Vaishnav, mais après, quand je voudrais goûter le Brahmananda, comment faire? Il faut faire un choix. Non, non. Un Vaishnav automatiquement bénéficie de tout type d'ananda. Tout type. Mais aussi, chaque Vaishnav, quand il goûte l'ananda, la félicité qu'il reçoit après son échange avec Sri Krishna, il est aussi seul et unique en même temps. Hein, par exemple, ça peut être la relation amicale avec Sri Krishna, okay, mais c'est pas la même ananda, c'est pas la même félicité. Hein, par exemple, Matu Mangala, qui est l'ami de Krishna, Sridham qui est l'ami de Krishna, Uttava qui est l'ami de Krishna, tous les trois ont des relations de relation amicale avec Sri Krishna, mais à son tour, chacun savoure cette rasa à sa façon et qui est différent. Voilà, ok, Hare Krishna, on va s'arrêter aujourd'hui ici. Si vous avez des questions, des commentaires, ou s'il y a des endroits que vous n'avez pas bien compris, qu'on peut. Я вот хочу понять, когда говорится, что бхакти – это желание только удовлетворить Кришну. J'aimerais bien comprendre quand on dit bhakti. Ça veut dire qu'on veut satisfaire le désir de Krishna. Si, например, преданный хочет там попасть на ту планету, где Кришна находится, и развлекаться с ним. Et par exemple, si le dévot peut arriver à la planète, qu'est-ce que j'ai dit? Ah. Si le dévot veut arriver à la planète où se trouve Krishna et se divertir avec lui. Et en parallèle, bien sûr, il veut servir Krishna. Mais en tout cas, moi, je comprends comme si le dévot doit oppresser ou renoncer ses désirs. Et comment правильно, скажем, относиться к таким желаниям, практиковать, ну, чтобы это, скажем так. Comment pratiquer correctement pour que pour qu'on ne tombe pas dans la situation « Ah, je suis comme ci, comme ça. » Parce que j'ai remarqué que ce désir existe toujours dans la pratique spirituelle et comment faire avec ce désir? On va prendre un exemple pour mieux comprendre.
Par exemple, prenons les gopis, les plus importantes dévotes de Krishna. Les gopis n'ont jamais un désir de danser une danse rasa-lila. Ils n'ont pas ce désir. Mais parce que Krishna veut danser, tout de suite, elles veulent danser aussi. Tu comprends? Ça veut dire, si les gopis veulent danser avec Shri Krishna, c'est parce qu'elles savent que cela fait plaisir à Shri Krishna. Tu comprends la nuance? Suivre Krishna, il attend que Krishna manifeste son désir. Même, comme on a dit déjà le dimanche dernier, c'est que le désir des dévots et le désir de Krishna, ils apparaissent simultanément. Одновременно проявляются. Желание Кришны, желание преданного проявляются одновременно. Et quand un dévot a un désir, hein, par exemple, il veut jouer avec Krishna au cache-cache, par exemple. Ok? Donc, pourquoi? Parce que ce dévot, il sait que Krishna veut se cacher ou Krishna veut chercher, veut jouer ce jeu. Ça veut dire quelque chose fait plaisir au moment quand tu sais que ça va faire plaisir à Shri Krishna. Tu comprends? Par exemple, je veux participer avec Krishna dans le lila de cultivage des perles. Je me souviens. Quand il a planté les perles, et après il y avait des perles qui sont sorties, après il a vous connaissez cette histoire avec des perles. Okay? Mais c'est pas que j'ai envie de planter les perles. Et à l'occasion que Krishna veut planter, je vais planter. Non, je veux planter les perles parce que cela fait plaisir à Krishna. Sinon, je n'ai pas ce désir. Par exemple, les gopis, ou les reines de Dvaraka, elle avait les sentiments conjugaux seulement pour Krishna. C'est pas comme ça que Krishna refuse et dit « Ok, on va changer notre amant, on va trouver quelqu'un d'autre, tant pis. On va se marier avec quelqu'un d'autre. » C'est seulement parce que c'est Krishna, elle manifestait les sentiments des sentiments conjugales. C'est pas comme ça. Elle voulait se marier. Non. Elle n'avait pas de désir de se marier, les gopis. Elle avait le désir de se marier avec Krishna. Si vous supprimez Krishna, le désir de se marier va disparaître avec. Parce que dans l'amour, il n'y a pas d'alternative. Okay? Tous les désirs d'un dévot se manifestent seulement par la présence de Krishna. Avec Krishna. En réalité, sur la plateforme de Prema Bhakti, tous les désirs d'un dévot, en fait, ont comme la source, tous les désirs d'un dévot sur la plateforme de Prema Bhakti, c'est Krishna. C'est la présence ou l'absence de Krishna.
Si Krishna n'est pas présent ou si Krishna n'est pas absent, donc il n'y a pas de désir. Tous les désirs naissent en fait de Krishna, de ce contact avec Shri Krishna. Sinon, le dévot n'a aucun désir. Il ne va jamais manifester un désir. Mais ici, par exemple, une femme veut se marier. Si ce n'est pas Pierre, c'est Paul. Si ce n'est pas Paul, c'est Jacques. Si ce n'est pas Jacques, pourquoi? Parce qu'elle a un désir abstrait. Elle a un désir de se marier. Ou par exemple, ici, nous avons le désir de manger, n'est-ce pas? Dans le monde spirituel, personne ne manifeste ça, désir de manger. Non, il manifeste désir de manger le reste de l'assiette de Krishna. Si ça ne vient pas de cette assiette de Krishna, donc ils n'ont aucun intérêt, aucun désir de manger ça. Même par exemple, Matu Mangal. Okay? quand il voit les fruits sur les arbres, par exemple des mangues, et quand il voit que Krishna passe à côté d'une façon indifférente, et il lui dit, toi tu dis que tu es un connaisseur de rasa, de goût. Rasa veut dire aussi juste de goût. Et moi je trouve, il dit, moi je trouve que tu ne connais pas les rasa, parce que tu es passé à côté des mangues, et tu n'as pas fait une attention. Donc, moi, oui, moi, je suis un grand connaisseur. Tiens, goûte ça. Et ça, en fait, parce que Krishna était là. Il s'est intéressé. C'est Krishna qui a provoqué ce désir de prendre des mangues, parler de ces mangues, les manger, etc. Okay? Donc, en effet, si Krishna n'est pas présent, le dévot ne manifeste aucun désir. Ok? Donc, nous, par exemple, quand on pense que, voilà, moi j'aimerais bien aller à Dvaraka et vivre avec Krishna ou Dvaraka, etc. Ça dépend. Si la source, et parce que j'en ai marre de ce monde matériel, j'en ai marre d'aller travailler, payer des impôts, payer le loyer, j'en ai marre de disputer avec des gens, j'en ai marre de cette pollution, etc. Et dans le monde spirituel, là, c'est autre chose, c'est propre, c'est super, etc. Il n'y a pas de souffrance, etc. Donc, c'est un désir qui n'est pas lié avec Krishna. Ça veut dire que nous cherchons un lieu de vacances extraordinaire. Mais ce n'est pas... ce n'est pas un désir manifesté par Krishna. Est-ce que tu comprends? Oui, ça, j'ai compris. Как будто бы ну, то, что происходит, оно, знаете, как будто бы вот ты бываешь в сознании, конечно, ты не бываешь, как бы хочется больше вот этого, знаете, вот погружения. Parfois, il y a le désir où on veut être dedans plus profondément. Non, non. Durant sadhana bhakti, le dévot doit faire ça. C'est quelque chose que nous faisons, nous pratiquons, ça, nous pouvons pratiquer. Hein. Par exemple, les neuf activités de bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que nous pouvons pratiquer. Okay. C'est pas un bhava bhakti. Bhava bhakti, c'est impossible de pratiquer bhava bhakti. Qui peut pratiquer bhava bhakti? Tu peux pratiquer bhava bhakti. C'est impossible. C'est pas une pratique. Bhava bhakti, c'est le bhava vient,
de l'intérieur, tu ne peux pas pratiquer, par exemple, tu ne peux pas t'asseoir et pratiquer la tristesse. Ou pratiquer, par exemple, Ashru Satvika Anubhava. Tu commences à pleurer. Tu ne peux pas. Il faut que ça vienne. Et ça vient en présence de Krishna, en présence des dévots, en présence Krishna Katha, de ses noms, etc. C'est ça qui, en fait, manifeste ce bhava. Tandis que le pratique, dans le sadhana bhakti, nous pouvons. Et, par exemple, Shravanam, Kirtanam, en fait, Shravanam, Kirtanam, ensemble, donc, c'est deux éléments de Krishna Katha. Parce qu'en fait, c'est deux éléments de Krishna Katha, Shravanam, Kirtanam, qui peuvent nous instruire et avancer. Nous pouvons le pratiquer. Par exemple, là, ce que nous faisons maintenant, c'est ça. Nous parlons de Krishna, nous analysons ses divertissements, nous donnons des exemples, etc. C'est une pratique. Ce n'est pas comme ça qu'on était assis et du coup on a dit « Oh Krishna, pourquoi tu es allé voir les Prachetas ?» Ça sera faux. Si je dis comme ça, ça sera faux. Mais j'essaie d'analyser et comprendre pourquoi les Prachetas ont fait confiance, par exemple, à Seigneur Shiva. Pourquoi ils ont fait confiance, hein? Pourquoi, en fait, ils ont médité 10 000 ans et pas 50 000 ans? En fait, c'est des questions. Et quand on analyse seul ou avec guru ou avec dans un sangha avec les dévots, on analyse certaines choses comme ça, c'est très bénéfique. Et ça, c'est sadhana bhakti. Sadhana bhakti, c'est pas seulement laver le sol. C'est aussi sadhana bhakti. Chanter Hare Krishna, c'est aussi sadhana bhakti. Mais poser des questions, ça aussi c'est un sadhana bhakti. Méditer, c'est un sadhana bhakti. Analyser, sadhana bhakti. Par exemple, dire, mais pourquoi Krishna a créé quand même ce monde matériel? Il pouvait ne pas le créer. Il pouvait faire de telle sorte pour que tout le monde soit dévot d'un seul coup. Pourquoi cet échelonnement, pourquoi il freine le progrès spirituel des gens, pourquoi il le fait, etc. Donc, quand nous pensons, nous réfléchissons, nous posons cette question à nous-mêmes, aux autres, etc., c'est aussi sadhana bhakti. Tout ça, c'est sadhana bhakti. Et c'est une partie très importante dans le sadhana bhakti. Pourquoi? Parce que ce type de pratique, ce type de sadhana bhakti touche directement le mental et l'intellect et le faux ego de la personne. Et si vous voulez, en fait, l'endroit où la compréhension de bhakti où le principe de pratique de bhakti est installé, c'est le mental et l'intellect. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, si quelqu'un s'abandonne à moi, moi je lui fournis un intellect, une intelligence qui lui permet de venir à moi. Il ne dit pas que je lui offre une serpillière pour qu'il puisse venir à moi. Et ça ne veut pas dire que Krishna ne peut pas faire ça. Un jour, il peut nous offrir une serpillière et comme ça, notre vie spirituelle va avancer. C'est possible, hein? Comme une fois quand Sri Chaitanya Mahaprabhu avec Nityananda Prabhu, ils sont allés voir Gauridas. Gauridas, c'était le maître spirituel de Hriday Chaitanya.
C'est des deux dévots extraordinaires, extatiques. Et quand ils sont allés le voir, en fait, il fallait passer par la rivière. Et quand ils se sont arrêtés pour aller chez Goridas, Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris, comment ça s'appelle le truc, pour nager, pour... Ram. Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris ce drame avec lui. Et quand ils sont allés le voir, il a dit, tiens, je t'ai apporté un cadeau, ça va te permettre de traverser l'océan de mode matériel. Et il a offert ce drame. Donc, tout est possible, mais en effet, ça doit toujours accompagner par ce bhava et l'endroit où les bhavas sont abrités, c'est l'intellect. En fait, tous les bhavas sont abrités dans l'intellect d'une personne. Même dans le monde spirituel, les bhavas sont logés dans l'intellect. Ne pensez pas que nous n'avons pas d'intellect dans le monde spirituel. On a, et en fait, ils sont logés dedans. Parce que nous avons aussi la mémoire spirituelle, etc. Et, tout est dans la conscience unie, c'est passé par... Oui. Donc, c'est, tout est dans la conscience de personne, mais là-bas aussi, la conscience prend les formes de divers sens pour pouvoir savourer d'une façon différente. En fait, c'est à travers d'une conscience spéciale. Par exemple, la conscience de Mère Yashoda et la conscience de Nanda Maharaj n'est pas la même. La conscience de Uddhava ou Paurnamasya n'est pas la même. Pas seulement l'idée de contenu, mais en fait, la personne dans le monde spirituel, la personne déjà réalisée dans le monde spirituel, sur la plateforme de Prema Bhakti, en fait, chaque chose passe à travers ses bhavas. Ses bhavas ici, pas vraiment ça passe à travers les bhavas, mais ici passe aussi à travers le faux ego qui est un concept de soi-même, un concept de soi-même qui peut changer. Qui peut changer. Tandis que dans le monde spirituel, quand on est un Rasika Bhakta, ça ne change plus. Par exemple, ici, je suis un ingénieur, et puis je gagne bien ma vie, etc. Je pense que je suis un ingénieur, je suis riche, etc. Et après, je vois que quelqu'un est un dentiste ou un businessman qui achète et qui vend des trucs et tout ce que je gagne pendant un an, il gagne pendant 2 jours. Et donc, je dis, donc je change. Maintenant, je ne suis plus un ingénieur, je suis un businessman et je vais vendre ceci, etc. etc. Donc, ça change. Tandis qu'un Rasika Bhakta ne change pas. Il est comme il est. Même si les circonstances changent, il reste comme il est. Okay? Et en fait, ces bhavas restent intacts. Tandis que les bhavas d'une personne habitant du monde matériel qui est conditionnée, une personne conditionnée, donc cette personne conditionnée, il ne peut pas garder ses bhavas parce qu'ils vont partir. Ils vont partir. Tandis que vous savez que les rasas sont basés sur 4 types de bhavas. Okay? C'est ces 4 bhavas qui maintiennent en fait et aussi qui devient la source de rasa. Okay? Donc ça, c'est quelque chose stable et éternel. Tandis que dans le monde matériel, nous aussi, nous avons dans notre intellect, nous avons certaines émotions enregistrées, etc. Mais selon les circonstances vont tout de suite changer. Par exemple, vous avez une amie
à qui vous faites confiance, etc. Elle est émotionnelle, elle est enregistrée et conceptuellement dans votre intelligence et sentimentalement enregistrée. Chaque fois quand vous entendez son nom, waouh, il y a quelque chose de super qui sort, etc. Et du coup, vous savez qu'elle vous a trompé avec quelqu'un ou autre chose, etc., etc. Et tout de suite, tout ce sentiment disparaît. Vous comprenez? Ça, c'est le principe que dans l'état conditionné, nous ne pouvons pas manifester les sentiments éternels. Pourquoi? Parce que notre objet n'est pas éternel. L'objet même, il est défectueux. L'objet de notre adoration est défectueux. Dans le rasa, l'objet de notre adoration est parfait. C'est pour ça que les bhavas sont parfaits. Notre objet d'adoration éternel, nos bhavas sont éternels. Et ici, notre objet d'adoration, père, mère, etc., famille, c'est très bien, on dit, mais après, dès qu'il y a un petit truc, c'est fini, c'est foutu. Pourquoi? Parce que l'objet d'adoration est imparfait. Et automatiquement, les sentiments sont imparfaits, temporaires, défectueux et tout ça. Mais juste par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport aux bhavas, etc., les sentiments, on a dit dans le monde spirituel, c'est dans la conscience. Et comme je disais, dans le contenu. Ici, tu as dit, c'est dans le monde matériel, c'est lié au faux ego. Faux ego, c'est une conscience contaminée, impure. Mm-hmm. Donc, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à notre faux ego, donc conscience contaminée. À la fin, c'est dedans que c'est faux ego qui ravit. Donc, notre fausse conscience qui ravit les choses. Tandis que là, dans le monde spirituel, c'est notre conscience pure qui ravit. Mm-hmm. Notre conscience pure est attachée à Krishna, effectivement tout va être lié, et ici c'est le faux ego. En fait c'est, l'ego, faux ego, vrai ego, l'ego c'est la perception de soi. La perception de soi est due à la conscience. C'est grâce à la conscience on a la perception de soi. Mais la perception de soi dans le monde matériel est liée aux circonstances. Okay? Liée aux circonstances. Par exemple, je vais en Indonésie et je me sens très, très haut, grand, je me sens grand. Pourquoi? Parce qu'en Indonésie, tout le monde est petit, pas tout le monde, mais la majorité du peuple sont petits et je me sens grand. Okay? Et je rentre chez moi avec un sentiment, avec une perception de soi que je suis grand. Et après, quand je vais en Suède, en Norvège, je me sens tout petit parce que tout le monde est grand. Donc les circonstances changent la perception de soi. Et ça, c'est le faux ego. Le faux ego a cette faculté de changer selon les circonstances. Tandis que le vrai ego ne change jamais, peu importe les circonstances. Okay? Prenez les histoires de Vrindavan, c'est toujours comme ça. Même quand les circonstances devenaient extrêmement insupportables, etc., en fait, le ego reste toujours le même. Par exemple, les gopis, encore une fois, elles étaient convaincues que Krishna est leur seul et unique mari. Et quand Krishna, par exemple, quand Krishna a joué la flûte et sont venus dans la nuit, il a dit que vous devez aller et vous devez servir votre mari, vous devez rester près de votre mari. Ils ont dit oui, c'est ce qu'on a fait.
Tu es notre mari. Et tes seuls et unique objet de notre amour. Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais? On suit tes instructions. Mais après, plus tard, quand Krishna est parti de Vrindavan, pour que tout le monde comprenne, les gopis ne sont pas retournées chez elles et sont allées vivre dans la forêt seules. Jusque le retour de Krishna, elles vivaient en dehors de la société. C'est extraordinaire. Pour que tout le monde comprenne qu'en fait, à part Krishna, il n'y a personne d'autre. Ok. Si c'est pas très. Je pense que ce sera court. En fait, vous avez expliqué que même les impersonnalistes qui cherchent Brahmananda, il y a une partie de bhakti dedans, mm-hmm. que ça tourne autour de bhakti. Mm-hmm. Et d'un autre côté, même les dévots, les bhaktas, ils peuvent aussi accéder à Brahmananda. Mmh. Ouais, donc c'est je j'arrive pas trop à comprendre pourquoi on peut dire ça. C'est deux choses, j'arrive pas trop à comprendre. Non, en fait quand tu achètes un pneu, tu ne bénéficies pas de la voiture. Mais quand tu achètes la voiture, tu bénéficies automatiquement des quatre pneus. Tu vois? Donc ça, c'est comme ça. Imagine que le Brahmananda, c'est le pneu, et Premananda, c'est la voiture. Donc, ça contient automatiquement. Mais Brahmananda, ça veut dire qu'on se fond avec Krishna, c'est un peu... Oui. Contradictoire avec Premananda? Non. En fait, dans la relation avec Krishna, nous avons toujours les deux. Bheda. Ok, donc on peut comprendre comme ça? Tout le temps, bheda. Mais pour un Vaishnava, ce qui a plus de valeur, c'est la différence entre lui et Krishna. Et pour un impersonnaliste, c'est le contraire. D'accord. Ce qui est plus valeureux, c'est de être un et ne pas être différent. Mais pour un Vaishnava, la différence est plus importante. Pourquoi? Parce qu'il peut appliquer bhakti. Tu ne peux pas appliquer bhakti dans le contexte de Brahman impersonnel. Pourquoi? Parce que Brahman impersonnel ne montre aucun désir. Brahman impersonnel ne te propose pas les situations où tu peux manifester des choses de ta personnalité, etc. etc. Tu vois? Mais Brahmananda est savouré en parallèle avec Premananda. Ouais, d'accord. Oui. Okay. Ne pensez pas qu'on est privé de Brahmananda. Mais elle est toujours présente, comme on a donné l'exemple de l'eau. On a dit, par exemple, si tu bois que de l'eau, après tu satisfais ta soif et le goût de l'eau, ça te déplaît. Tu comprends? Le goût de l'eau, ça ne te plaît plus. Hein? Par exemple, va chez toi, bois un verre, deuxième tu vas boire et tu vas voir que tu ne veux plus. Ça devient désagréable. Et ça, c'est le moment quand on ne veut plus rester dans le brahman impersonnel, on veut revenir. Ça, c'est le moment. Il y a un moment, hop, tu ne veux plus. Et tu reviens. Pourquoi? Tu cherches un autre goût. Et un autre goût, tu as bu le verre, après tu veux du raisin, tu veux de manger une pêche ou un melon, mais ils contiennent tous de l'eau. Mais ce n'est pas la même eau, c'est des diversités. Le principe de Brahman impersonnel, qu'il n'y a pas de diversité. Nirvishesha. Ça veut dire au-delà de la diversité, il y a juste une chose. Tu comprends? Mais ça existe toujours parce qu'un dévot sent un. Par exemple, Mère Yashoda a un fils. Mère et fils, c'est un. Tu comprends? C'est un, mais en même temps, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'elle veut le nourrir. Elle veut le gronder. Simultanément?
Les deux simultanément toujours présents. Mais l'impersonnaliste, oui. Lui, il a Premananda, il n'a pas vraiment. Non. Il n'a pas. Non. Il a pas. Mais pourtant, vous avez dit que sa pratique tourne autour de Bhakti. Oui, comme, oui, oui. Il commence. C'est pas vraiment Bhakti. Il prend les éléments de Bhakti. Ah, ok. Par exemple. L'idée que Krishna ou la vérité absolue est unique et seule, hein, et que nous pouvons l'adorer, oui, d'accord, okay. On peut méditer sur lui, etc. Tous ces éléments sont présents et dans le jnana, et dans le yoga, et dans le karma. Et dans Bhakti. Dans Bhakti, automatiquement. Ah, d'accord. Mais ce n'est pas des éléments qui distinguent Bhakti des autres, non ? Si. Tu sais pourquoi ? Ah. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand chacun, yogi ou gani ou karmi, quand ils arrivent à leur réalisation, ils n'ont plus besoin de ces éléments, ils abandonnent ces éléments. Ah, par exemple, ils chantent, je ne sais pas si vous avez entendu les impersonnalistes qui chantent Hare Krishna, et ils disent ça, c'est pour apprendre à se concentrer. Mm-hmm. Là, ils chantent Hare Krishna pour se concentrer, et après, ils disent, ah, mais après, il faut l'abandonner et passer, méditer sur Brahman impersonnel. Mm-hmm. Et après, quand ils vont dans le Brahman impersonnel, ils ne chantent plus le Saint-Nom. Mm-hmm. Tandis qu'un Vaishnava, quand il arrive à Prema Bhakti, il continue à chanter Hare Krishna. C'est comme ça, ça c'est la qualité de Bhakti. Comme par exemple, tu as un encens. Quand tu le mets avec tes vêtements, quelques jours après, tes vêtements sont... un sang. Okay? Mais après, quand tu le laves, cette odeur passe. Tandis que l'odeur d'un sang reste. Parce que c'est sa propriété. C'est pas le tien. C'est sa faculté, sa propriété. Comme Bhakti. Bhakti, oui. Ça, c'est la propriété de Bhakti. C'est... Donc, pour un impersonnaliste, c'est impossible d'atteindre Brahmananda sans passer par quelque chose comme Bhakti. Impossible parce que tu ne peux pas pratiquer. Oui, d'accord. Tu ne peux pas pratiquer parce que la pratique oblige en fait, ouais. Oblige certaines choses. Par exemple, un karmi. Ouais. Un karmi, en fait, pour obtenir certaines choses, il doit adorer Seigneur Suprême. Oui, ça c'est clair. Ouais. Tu vois, il doit adorer. Mm. Donc sinon, impossible. Sans ces éléments, tu ne peux pas faire la pratique. Il peut par exemple rester chez lui, il dit, quand est-ce que Dieu va m'envoyer une voiture ? Et il peut rester comme ça, ça ne va pas. Donc, il doit faire une pratique. Tu vois, donc il doit donner quelque chose au Seigneur, faire un sacrifice, tu vois, sacrifier quelque chose pour le Seigneur, et ce sacrifice, c'est un élément de Bhakti. Mais pour que tu vois. Par exemple, moi, imagine une nuance. Moi, je fais la pratique de karma. Ok? Pour aller aux planètes édéniques et avoir tout ce qu'il y a dans les planètes édéniques. Pour cela, je fais une pratique. Je fais l'austérité. Okay? Je mange pas, etc. J'ai des bananes, etc. Je les offre à Krishna. Je distribue. Mais pour mon but, c'est de se trouver dans le monde édénique. Okay? Je fais ceci, cela, je jeûne les jours des Kadashi, etc., etc. En fait, tout ce que Krishna m'a demandé dans l'ordre de la religion, Parmashamadha, je fais tout cela, et après, je vais
dans le monde édénique, sur la planète édénique. Et quand je vais dans le, sur la planète édénique, est-ce que je continue à faire tout ça? Non, j'abandonne tout ça. Oui, ça, c'est clair. Juste, je peux dire, pour les Gyanis, par exemple, leur principe, Gyanis qui vont vers l'impersonnaliste Gyanis, je parle. Parce que pour arriver à Brahman impersonnel, il faut qu'ils pratiquent le Jnana Yoga pour arriver. Mais ils n'ont pas besoin de. Si, c'est le Jnana Yoga. Personnelle. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Leur principe, c'est le renoncement. Pour renoncer de tout ici, pour arriver à Brahman impersonnel. Pour renoncer quelque chose, il faut se purifier. Quand on dit se purifier, ça veut dire quoi? Quand on est impur, parce qu'on est attaché aux choses matérielles. Oui. Donc, pour se détacher des choses matérielles, il pratique bhakti, parce que le début, comme on est attaché à tous les objets, on essaye d'offrir au Seigneur de cette manière-là, purifier le corps. Ça veut dire, je me détache en offrant au Seigneur. Du moment où j'arrive renoncer, ne plus vouloir avoir les choses, donc ils peuvent maintenant, avec ce renoncement, parce qu'ils ont appris comment renoncer en offrant à Seigneur Vishnu, après ils abandonnent ça, parce qu'ils ont déjà pratiqué ça, et ils s'attachent au Brahman impersonnel via le Jnana Spikula, comme ce qu'on dit, réflexion mentale. Ils arrivent à atteindre le Brahman impersonnel. Parce qu'il faut le renoncement. Regarde, quand même, Prabhupada dit que justement les impersonnalistes, enfin certains en tout cas, ils cherchent à se détacher de manière artificielle sans s'attacher à Vishnu, tu vois. Ils cherchent à se détacher, juste se détacher. Oui, mais et en fait, c'est pour ça. Et Prabhupada dit ça, c'est presque impossible. Juste. Je voulais juste ajouter une petite chose, c'est que. Srila Prabhupada lui-même, il explique dans certains teneurs reportés, les autres acharyas suivent dans la même direction, c'est qu'en fait, pourquoi sans bhakti tu ne peux pas, c'est que le brahmana impersonnel reste un aspect de Krishna, donc ça veut dire c'est Krishna lui-même. Et du coup, tu ne peux pas approcher Krishna sans que tu lui demandes personnellement. Ça veut dire qu'en gros, même si c'est cet aspect-là que tu veux, il faut son autorisation. Et tu ne peux pas arriver de force entrer dans le brahman impersonnel. Il faut que Krishna t'autorise. Il te dit, OK, je te prends et je te mets là. Et donc, sachez, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et sachez, sachez, quand on dit ça, on ne dit pas que les impersonnalistes pratiquent Bhakti Yoga ou les karmis. Ils pratiquent Bhakti Yoga. Mm. C'est juste qu'ils utilisent les éléments de Bhakti. Mm. Parce que celui qui est complètement dans Sadhana Bhakti, il va devenir un dévot. Il va devenir un dévot. Il ne va pas devenir un impersonnel. Juste les éléments. Hein. Ce n'est pas qu'ils commencent à pratiquer Sadhana Bhakti, mais ils utilisent les éléments sans lesquels leur quête ne devient pas praticable. Tu comprends? Moi, je pensais justement que ces éléments-là, par exemple le fait de méditer, je ne pensais pas que ce serait propre à voir. Parce que regarde, un Jnani, okay, il s'assoit dans la méditation et il dit la famille, ça, ce n'est pas de Brahman. Je ne sais pas, la voiture, ce n'est pas Brahman. Les dettes, c'est pas le brahman, impôts, c'est pas le brahman, pizza, c'est pas le brahman. Donc ils essaient tout le temps rejeter. Ça veut dire je ne veux pas. Mais des fois il y a une femme, hop, et ça l'attrape. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pas un brahman, mais elle revient. C'est pas un brahman, elle revient. Donc en fait. Pour se débarrasser de cette femme qui est dans son intellect, c'est peut-être même c'est juste une femme abstraite, pour se débarrasser de cette femme qui est dans son intellect, il doit pratiquer Sadhana Bhakti, un élément, certains éléments
certains éléments. Pour se débarrasser de cette forme abstraite, il faut un objet supérieur. Donc il n'arrive pas à mettre le Brahman impersonnel tout de suite du supérieur parce que cette forme excite les sens et Brahman impersonnel n'excite pas les sens. Tu comprends? Donc il cherche entre guillemets quelque chose intermédiaire. Donc pour cela, il commence à chanter Hare Krishna ou réciter Hare Krishna. C'est, pour eux, c'est une solution, en fait, de comme par exemple, tu as du lait dans ce verre, le verre est tellement lourd que tu ne peux pas tourner pour le vider. Mais tu trouves une autre solution, comment le vider, tu commences à verser dedans de l'eau. Et tu verses, c'est l'eau, en fait, qui fait partir de lait. Parce que tu aimerais bien le vider, mais il est trop lourd. Donc pour ça, quand en fait. Hein? Oui, il est collé. Donc, pour ça, ils utilisent les éléments. Tout le monde utilise les éléments de Bhakti. Pourquoi on dit que c'est des éléments de Bhakti? Encore une fois, parce que quand un Bhakta est déjà réalisé, il conserve tous les éléments, en fait. Il conserve le Sennon, il conserve Archana, il conserve Shravanam, Kirtanam, etc., etc. Tandis que, par exemple, un Gyani, lui aussi fait Shravanam, Kirtanam. Ne pensez pas que les Gyanis ne font pas Shravanam, Kirtanam. Ils le font leur Shravanam, Kirtanam, ok. Mais une fois Brahmananda est atteint, ils ne font plus ça. Tandis que les dévots, quand ils atteignent Rasa, Shravanam, Kirtanam devient plus important et plus fort. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des éléments de bhakti et pas des éléments d'autres pratiques. Mm-hmm. Ok. Merci beaucoup. Hare Krishna. Merci. Hare Krishna. Shishimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna, Vancha Kalpataru Vishcha, Vita Sindhubhya Vacha Patitanam Pavani, Vyo Vaishnavi Vyo Namam, 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 Vyo Vaishn